Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 2 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, eh bien aujourd'hui, c'est peur. N'avoir peur de rien, sinon de la peur. Belle synchronicité avec la carte que j'ai pigée aujourd'hui, qui est l'intuition et qui parle de la peur. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être face à une situation qui fait ressortir, eh bien, votre ego. Ah, celui-là alors, vous savez, cette partie de vous qui compare, qui juge, qui critique, qui sépare et qui est fondée sur la peur. Lorsque votre ego est en puissance, ça veut dire qu'il prime, vous avez tendance à être plus compétitive, à être davantage, eh bien, dans le jugement et à être sur la défensive. Et ça, c'est parce que c'est votre ego qui est plus fort. Les décisions que vous prenez à partir de votre ego, eh bien, ce sont des décisions qui sont dirigées par la peur et par une conscience plus limitative. Alors, vous avez le choix. Oui, vous avez le choix. Soit de nourrir votre ego et de marcher dans cette voie, ou encore de modifier votre trajectoire. Vous avez le libre arbitre. Rappelez-vous que si l'ego est fondé sur la peur, eh bien, l'intuition, elle est fondée sur l'amour avec un grand A. En une fraction de seconde, vous pouvez prendre tout à fait une autre direction en faisant le choix, eh bien, d'aller vers l'amour. L'intuition vous amène à explorer une voie plus créative et plus imaginative, et elle favorise l'inclusion, l'union et la collaboration, et vous vous sentez intimement lié, eh bien, à une source plus grande que vous. Alors, l'équilibre idéal, eh bien, elle se trouve entre le côté rationnel, n'est-ce pas, de l'ego et la voix intuitive du cœur. Ainsi, choisissez l'amour en tout temps. C'est la vibration la plus élevée et la plus bénéfique pour votre bien-être. Si vous choisissez toujours par le cœur, ça sera toujours magnifique. Eh bien, cette carte, elle vous indique que votre intuition est excellente et que vous devez écoutez votre intuition, tout ce qui vient de votre cœur. Et en faisant confiance et en agissant dans ce sens de leur message, vous gagnerez en puissance. Vraiment, vous gagnerez en puissance. Petit rituel de la puissance intuitive
prenez conscience des peurs qui existent en vous et notez les choix que vous avez faits en vous basant sur celles-ci. Alors, est-ce un choix de carrière, une relation, un loisir ou un style de vie? Un choix amoureux aussi, hein? Et notez spécifiquement à quel moment la peur et l'ego ont eu une influence sur votre vie, sur les décisions que vous avez prises. Et à partir de là, identifiez ce que vous pourriez changer pour que vos décisions émanent de votre petit cœur. Inscrivez sur une feuille les différentes intuitions que vous avez eues au cours de votre vie. Ayez conscience que votre intuition vous veut toujours, toujours, toujours du bien et qu'elle souhaite par-dessus tout votre bien-être et votre épanouissement. Alors, je vais vous demander de répondre à cette question. Qui serais-je si je laissais l'intuition et l'amour guider mes pas? Voilà, répondez à cette question. Quel beau message encore une fois sur l'intuition. Je termine avec la petite pensée positive et aujourd'hui j'ai pigé « Je suis où ma conscience se trouve ». Quand je concentre ma conscience sur mes propres réactions et perceptions, je vois la vérité d'une situation donnée. Belle pensée positive. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.